Industrial Nation, je suis avec Alexandre. Alexandre qui va se présenter. Eh bien oui, bonjour, je m'appelle Alexandre Fex, je suis directeur des opérations sur la société qui s'appelle Aquacet. Et nous, on est basé sur Limoges et donc on est là cette semaine sur la salon Global Industrie. D'accord. Aquacet, est-ce que tu peux nous dire rapidement qu'est-ce que vous faites en fait? Comment vous aidez vos clients à grandir? Eh ben en fait, Aquacet, on a mis en place une technologie qui nous permet de collecter des informations qui sont relatives aux usages de l'eau. D'accord. Et donc, ces informations, on les met à disposition de nos clients industriels pour les accompagner dans la production d'informations opérationnelles avec à destination d'améliorer la performance industrielle et environnementale de leurs process. D'accord. Donc, tes clients, c'est qui? C'est l'agroalimentaire? C'est quel type d'entreprise? Ouais, en fait, c'est un petit peu toutes les entreprises qui consomment de l'eau. Donc, ça va des domaines agroalimentaires, papetiers, pharmacie, chimie, voilà, ce genre de gros groupes. Donc, si je comprends bien, vous êtes à cheval entre le big data, on collecte des données, et en fait on sait que la donnée aujourd'hui c'est la matière première, souvent des l'industrie du futur un petit peu. Exactement. Donc, vous collectez cette donnée, et avec ces données-là, moi en tant qu'industriel, je vais pouvoir gagner de l'argent, optimiser mes flux, et c'est être ça. Un peu plus écologique. Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, on utilise cette logique de smart data, c'est-à-dire qu'on récupère des informations qui sont D'accord. opérationnelles, qui permettent vraiment d'avoir un lien avec le process réel qui est mis en place dans l'usine. Et donc, par l'intermédiaire de jeux d'affichage, que ce soit de données brutes ou de données élaborées, etc., on arrive à donner à nos industriels des niveaux d'informations qui leur permettent de D'accord. mieux piloter. Qui dit mieux piloter dit amélioration de la performance, que ce soit industrielle mais également environnementale. Et donc, si, à qui tu t'adresses dans l'entreprise? Si toi, tu dois vendre ta solution, c'est qui ta cible en fait? Alors, en fait, la cible, elle est multiple. Pourquoi? Parce que quand on utilise et quand on essaye d'investir sur un process eau, on a à la fois des opérateurs qui vont avoir besoin de faire tourner le process au quotidien, mais on a aussi des managers qui vont avoir besoin d'avoir accès à des données qui sont un petit peu plus macro. Et puis, bien évidemment, les responsables d'usine, etc., doivent aussi avoir accès à de l'information. D'accord. Donc, en fait, à la base, on part du même niveau de données, mais par contre, on retraduit, on retranscrit ces données en fonction de l'utilisateur qui en a le besoin. Ok. À quoi c'est? Vous êtes à Limoges. Limoges. Des Limougeaux, des Limougeois. Des Limougeaux. Des Limougeaux, exactement. À quoi c'est, mes amis? À bientôt. Merci beaucoup.